Hey guys, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez l'habitude de voir ma gueule horrible en début de vidéo. J'ai l'impression que c'est une tradition sur ma chaîne dans mes vidéos d'apparaître tellement lasdeg au début. Enfin bref, on s'en fout. Aujourd'hui, je me suis dit, je vous explique. Samedi c'est l'anniversaire d'une de mes potes à moi et je voulais lui faire la surprise en venant. Du coup, elle n'est pas au courant que je veux. Mais c'est son anniversaire et j'ai envie d'un peu re-glow up parce qu'en ce moment, comme je vous ai expliqué, je suis en cul. En ce moment, surtout cette semaine, il fait pas du tout beau et tout. Enfin bref, je suis dans un mood en mode je suis vraiment en glow down et je me suis dit, on se reprend, c'est la fin de semaine, le week-end, j'ai 24 heures pour glow up exactement. Du coup voilà, j'ai essayé de placer des rendez-vous, des machins, des trucs pour glow up et on va voir si à la fin de cette journée je suis fraîche ou pas, prête à aller demain matin prendre mon train pour aller à l'anniversaire de ma pote. Et voilà, c'est un mini défi que je me fixe à moi-même. Donc du coup, mais ce que j'ai fait, c'est que ce matin déjà j'ai commencé par prendre soin de ma peau. Bon, vous savez, je suis déjà en pleine cure, donc c'est en cours de transition on va dire. Donc pour ce qui est de la peau, ça va. Après du coup j'ai fait les soins de corps, genre gommage, épilation et tout. J'ai fait ma petite séance de gua sha là pour creuser un peu les joues, pour voilà, relifter un petit peu le visage, etc. Et je me suis préparée et je me suis rendue à mon blanchiment dentaire. Donc voilà, j'ai fait deux sessions de 20 minutes, c'est un premier rendez-vous et ensuite dans une semaine je ferai la deuxième partie pour vraiment que ce soit un blanchiment genre qui tienne et tout. Mais voilà, du coup là j'ai un sourire vraiment, alors déjà de base j'ai une blancheur bien, là c'est vraiment Fabrice des anges, il peut aller se rendormir. Du coup là je suis rentrée chez moi et là je me rends à mon deuxième rendez-vous pour faire une pose d'extension de cils. C'est très short au niveau du timing, je vous jure, genre j'arrive, je pars et tout, enfin bref, je suis archi fatiguée parce que j'ai pas dormi la veille. Une fois mes cils faits, je vous annonce la suite du programme. C'est parti! Ah, j'ai trop hâte, j'espère que ce soir je vais être bien en bon. Heureusement qu'avec les transports, tu pars en retard mais t'arrives à l'heure, hein, parce que moi, je vous jure guys, là j'ai l'impression d'avoir les yeux gonflés en continu, c'est vraiment, c'est insupportable. Regardez mes cils, ils sont incroyaux, vraiment incroyaux. Du coup voilà, c'était chez Fire Eyes Paris, donc je suis super contente. Là je suis re-rentrée chez moi et vraiment le temps il me dégrade, regardez. Déjà que j'ai pas maquillé ma peau et que je suis en pleine cure, mes boutons ressortent, ah, c'est horrible. Je vais faire que de me plaindre jusqu'à temps que je sois maquillée et coiffée. Du coup là, je vais me changer, je vais démêler mes cheveux et je vais aussi faire mon teint. Du coup je vais me maquiller en vitesse. Je dois partir à 15h45, il est 34. Ensuite, on discerne. Du coup gars, je vous explique, là je suis en train de me maquiller, là je vais filer au salon de coiffure. J'espère qu'elle va me faire coiffer dans les premières ou tu vois, genre que je vais pas partir tard du salon. Comme ça je rentre chez moi, je fais ma valise et je pars chez Flavia. Vous connaissez, vous commencez à la connaître à force. On va se retrouver là-bas. Enfin mes potes, ils veulent faire le tour ensemble et tout. Donc du coup voilà, et demain matin de chez elle je pars prendre mon train, comme ça je serai plus proche de la gare. Mais ça va être très serré aujourd'hui, le timing c'est rien, la course contre la montre. Et je suis choquée que j'ai réussi à faire tous mes rendez-vous comme il fallait dans le bon timing. Mais bon, je crie pas encore victoire parce que je n'ai pas encore la perruque posée sur ma tête. Et que là je suis censée partir pour arriver à l'heure. Ouais, 46, j'ai une minute de retard déjà là pour commencer. Ma tête est déjà énormément mieux. J'ai juste m'habiller, je sais pas quoi mettre. Je crois que je vais mettre un truc simple. Ouais, je vais m'habiller tout en noir, ça passe. Du coup, mon petit outfit, je suis obligée de le faire avant de partir, ça me stresse sinon. Petite doudoune The North Face. Après, là, j'ai mis un petit haut, un pull comme ça, qui est assez long, qui couvre mon jean en pâte d'œuf noir. Et vous connaissez toujours cette petite paire, je suis fan. Voilà, je prends mon masque, mon téléphone et mon sac. Et on est parti, on se retrouve dans le salon. Bisous. Ok, là je suis arrivée dans le salon chez Dia Golden Hair. J'aime trop le salon, il est grave cute. On est hyper bien accueillis. Du coup là je regardais un petit peu les perruques autour et tout en attendant que mon tour arrive. Et là j'étais en train de me filmer, j'avais la moitié de tête tressée et l'autre en brushing. De toute façon c'était trop bizarre. Et bref, voilà. Et ça donne ça. Après j'ai une tête de boule, mais j'aime trop. En fait je suis fan des tresses collées. Ça me fait vraiment une tête toute ronde quoi, c'est horrible. Donc voilà. Et voici le résultat. Alors au début j'étais pas au courant que j'allais avoir un carré, mais là j'adore, j'ai validé. Ensuite je suis arrivée chez Flavia, je leur ai fait une surprise.
et on a chill toute la soirée. C'était trop cool jusqu'au petit matin. Là, il était à peu près 6h. Et Karl a bien voulu m'emmener à la gare. Et ensuite, j'ai eu mon train, mais vraiment de justesse, je l'ai eu. Donc voilà, j'ai dormi dans le train parce que j'étais KO. Et voilà. Hey guys, bon, voilà, on se retrouve à vraiment 10 minutes de l'anniversaire. On est toutes pimpantes avec mes potes. Et ça se passe dans un champ, donc du coup, on va être trop bien pour la soirée. Et regardez ma tenue finale. Petite robe PLT. Petit talon, je crois que c'est des ou Asos, je sais plus trop. Petite lunette, je crois que ça vient de Asos aussi. Ah, ma petite fleur qui vient des prés. Ma petite wig, Dia Golden Hair. Ah voilà, j'espère que la petite vidéo elle vous aura plu. 24 heures pour glow up. J'ai réussi mon challenge, je pense. Et voilà. En tout cas, en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous la mif. Je vous fais de gros bisous. Bye.